Bonjour à tous et à tous, comment allez-vous en cette belle journée? Bon, pour cette partie de. À partir de ce chapitre, je vous ai fourni une sample map qui sera en DL à partir de mon méga. Vous pourrez la télécharger à partir de la description de ma vidéo. Dans ce chapitre, nous allons voir le terrain painting, ce qui aussi les mettre du gazon, la terre ou de l'asphalte, etc., 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 etc. Fait que nous allons commencer. Fait que on va ici, vous avez encore dans votre barre d'outils, vous avez terrain, détail, texture, paint mode. Hop. Je l'avais déplacé. C'est. Donc, vous voyez, ça ici c'est Rook Dirt, c'est la terre. On va faire des belles petites lignes. Animal Dirt mod, c'est de la boue un peu bizarre, chelou, qui est vraiment pas joli. Vous avez aussi le grass, qui est la même texture que ça. Vous pouvez voir. Ça permet d'effacer. Vous avez le grass tone, ce qui permet d'avoir un effet gazon de ville, un peu. Vous avez grass rube, qui est un mélange de gazon et de terre, qui fait très joli d'ailleurs. Vous avez mountain rock. Encore une fois du rock. Mountain Rock. Une plus claire, une plus foncée. Vous avez Forest Leaf. Oh. Et Forest Needle. Qui est le sol, qui est la même affaire qui est le sol pour la forêt. Vous avez aussi le sable mouillé. Et le Riverbank qui est de la roche de rivière. Vous avez asphalte. Oups. Et plate. Et plate damage. Subtilité. Et vous avez tout ça de base. Dans une des vidéos, je vais vous montrer comment rajouter une déco painting comme ça. À partir d'une texture du jeu sans l'importer dans votre map. Ça sera plus tard dans un prochain tuto. Une petite subtilité aussi pour faire. Je vous ai montré que la brosse était ronde. Des fois, nous avons besoin de faire des carrés, comme ça. Ça vous permet de faire des carrés comme quelque chose de bien carré. Ce qui est pas tout à fait joli tout le temps. Des fois c'est beau, des fois c'est à chier. Fait que ça c'est les particularités. Après vous avez ici, on a vu plein. C'est la même affaire, mais sur différents angles. Puis ici vous avez Water Puddle. Fait que vous cliquez sur Water Puddle. Puis ça fait des flaques d'eau. Ok, là c'est. C'est vraiment pas joli comme ça, là, mais de face placée de façon bien faite, ça peut faire joli. Petite subtilité. On va prendre notre brosse, puis on va se mettre à 1 encore ici partout. Puis on va aller dans Terrain Sculpt Mode. On va se mettre en rond. Puis on va faire une belle montagne. N'ayez pas peur, faites quelque chose de gros. Maintenant, vous allez prendre votre Mountain Rock.
ici. Vous voyez? On fait un test. C'est bien ça. On se la remet en gazon juste parce qu'on voulait juste voir. On reprend. Puis on se met ici. Ici, vous avez texture, layer, painting, slope, limit, start, slope, limit, end. Donc moi, ce que quand je fais mes montagnes, je me mets à 45 ici. Même, je te dirais 30, c'est bien. Vous mettez à 30. Puis, vous peignez votre... votre montagne. De chaque barre. Fait que vous voyez, ce qui n'est pas entre 30 degrés et 90 degrés ne sera pas pris en charge. Donc ici, vous voyez, c'est presque plat, c'est pas pris. Fait que ici, vous pouvez mettre 0. 0 à 30. Si je me trompe pas, je m'en rappelle plus vraiment. Je suis plus sûr à 100%. Ouais, exact. Vous pouvez faire ça. Vous voyez, ça peint sur votre montagne seulement les zones qui sont plates. On continue, on continue. Et vous pouvez faire même pire que ça. Hein? Fait que là, votre montagne, elle est faite. Il ne restera plus qu'à mettre du déco-foliage. Que... il sera dans la prochaine vidéo. Sur ce, merci à tous et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. La prochaine vidéo sera sur le foliage. Sur les décorations de foliage. Merci.